les amis, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais en fait je suis bien arrivé à Savannakhet, je crois. On va m'entendre sur la vidéo, auquel cas mon micro c'est vraiment de la tuerie. Faut savoir qu'ici au Laos, ils mélangent les restaurants, les discothèques, les bars, ils mélangent tout en fait. En fait, pendant que tu manges, tu peux écouter de la musique, tu peux manger, boire un verre et aussi aller danser. En fait, c'est assez ouf comme concept. J'avais jamais vu ça ailleurs. C'est un peu fort. Donc pour se parler, c'est un peu compliqué. Et en plus, je pense qu'ils ne voient pas souvent de touristes parce que je suis grave l'attraction. Tout le monde me demande des photos. En fait, je viens de me faire offrir une part de gâteau par une table en fait, qui fête son anniversaire. Je trouve ça juste énorme en fait. C'est génial, cette gentillesse qu'ils ont, c'est démesuré, incroyable. Ils m'ont offert une bière, ils m'ont offert une part de gâteau, c'est juste génial. Bon les amis, bien arrivé à Thakhek. En fait, j'ai pris la route ce matin, j'ai fait 100 bornes à peu près, donc c'est un de mes plus petits trajets, mais voilà, hier j'ai fait 300 km, j'avais envie de faire une petite pause en me dirigeant vers Vientiane, et puis surtout me reposer parce que demain, grand départ en direction de Vientiane, il y a environ un peu plus de 300 km je pense, à confirmer, enfin donc voilà, c'est un gros trajet qui s'annonce, donc je vais essayer de chiller un peu aujourd'hui, bien me reposer pour pouvoir attaquer de très bonne heure cette route demain matin. Je vais essayer de faire en sorte d'être assez organisé pour pouvoir projeter un départ sur les coups de 7 heures je pense, à la fraîche, comme ça, j'évite les grosses chaleurs et puis c'est cool. Les amis, je voulais vous dire quelque chose en fait parce que c'est assez intéressant là où je me trouve parce que en fait comme vous le savez donc Thakhek c'est frontalier avec la Thaïlande, c'est-à-dire que il y a une frontière naturelle, d'accord, qui est le Mekong en fait et qui sépare le Laos de la Thaïlande. Et ce qui est ouf en fait, c'est que tu vois, là je suis au bord du Mekong qui est juste derrière moi. Et ce que tu vois là-bas en fait, de l'autre côté, en fait c'est la Thaïlande, c'est un truc de ouf. En fait, juste en face, là-bas, t'as la Thaïlande. C'est-à-dire que là, tu prends un bateau, tu traverses, mon gars, tu te retrouves en Thaïlande. C'est un truc de ouf. Incroyable. Je trouve ça ouf, en fait, que ce genre de frontières naturelles existe. En fait, tu te dis que, ouais, en fait, l'homme s'est vraiment servi d'éléments de la nature pour déterminer ses frontières et c'est assez marrant. Et donc, ouais, je trouvais ça cool, en fait, de me dire que, je suis juste à, je sais pas, peut-être 1 kilomètre ou 2 de la frontière, de la Thaïlande quoi. C'est vraiment ouf. Puis c'est vraiment beau aussi. Tu vois, pour la peine je vais vous faire quelques clichés, histoire de vous rendre compte que c'est vraiment sympa.